bien s'est aperçu que c'était encore mieux celui qui dégainait le sabre le plus vite et qui coupait l'autre. Par exemple, comme un peu chez les cow-boys, l'art de celui qui dégainait le plus vite. Eh bien, le yai, c'était ça. Le yai jitsu de l'époque, c'était comment arriver à dégainer et couper en même temps. C'est-à-dire que l'autre peut avoir une très grande technique, s'il n'a pas pu sortir son sabre, elle ne lui sert à rien. Eh bien, à l'époque moderne, le yai jitsu s'est transformé et est devenu le yai do. C'est-à-dire avec le but de garder des formes esthétiques, et qui était garder un patrimoine culturel, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas pour couper quelqu'un, puisque à l'époque, aujourd'hui, personne ne se promène avec un sabre dans la rue. Mais, bon, alors, dans l'ancien yai, par exemple, on dégainait très vite et on coupait très vite, n'est-ce pas? Et on rengainait lentement le sabre. Et dans le yai moderne, on a fait un exercice de style de dégainer lentement et de rengainer très vite. Le Moyen-Âge au Japon, c'est quand même beaucoup plus récent que chez nous. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre en France. Mais le Moyen-Âge au Japon, c'est une centaine d'années. Donc, s'il n'y avait pas eu les problèmes liés à la guerre, le Japon serait resté certainement très près de l'ordre féodal. Le Japon, c'est assez particulier. C'est comment dire, c'est une civilisation essentiellement guerrière. Faut bien comprendre cela. Et que c'est très récent que s'est introduit, n'est-ce pas, la culture occidentale au Japon, avec d'autres valeurs et d'autres façons de naturellement d'envisager la vie. Concept de l'aïkido, finalement, c'est d'arriver à prendre le centre de l'adversaire, gouverner son centre et le projeter en entrant. C'est une sorte de débordement. Si vous voulez, on rentre au bon moment et on fait trouver le vide à la personne qui vous attaque. Alors, si vous voulez, il veut cette place, par exemple, s'il veut frapper mon visage, mais il faut que j'ai anticipé au présent qu'il voulait cette place. Et donc, au moment où il frappe cette place, eh bien, on n'est plus là. Donc, c'est l'art de la spontanéité qui se traduit bien. Quand on voyait le fondateur de l'aïkido, Maître Moriye Ueshiba, projeté par Irie-Minage, on sentait vraiment qu'il n'y avait pas d'opposition, en fait. Il y avait une rencontre et on conduisait son action vers un circuit de neutralisation, mais sans dommage pour l'adversaire, bien sûr, puisqu'il s'agissait simplement de... Il se déséquilibrait par sa propre attaque. En fait, plus il attaquait vite et plus il était donc déséquilibré de trouvant le vide. Tout l'art de l'aïkido, c'est de dissuader, c'est-à-dire de tenter de faire comprendre à l'autre que son attaque ne sert à rien. L'aïkido, c'est un art, bien sûr, qui se pratique avec certaines conventions. D'une part, il y a, si vous voulez, une situation donnée, c'est-à-dire que soit les deux partenaires sont debout, tous les deux, soit les deux partenaires sont à genoux, soit celui qui se défend est attaqué par derrière, soit il y a un adversaire debout et l'autre à genoux. Donc en fait, si vous voulez, il y a quatre situations dans lesquelles on peut se trouver pour pratiquer l'aïkido. À partir de ces quatre situations, il y a deux positions de base qui sont hanmi, appelées hanmi, c'est une position triangulaire, hanmi à droite ou hanmi à gauche. Suivant que les deux partenaires qui se font face ont tous les deux le pied droit en avant, ou le pied gauche éventuellement, ou alors l'un a le pied droit en avant et l'autre le pied gauche en avant. Ensuite, on annonce la forme d'attaque, c'est-à-dire par exemple, un coup de poing ou la saisie d'un poignet, une façon d'être attaqué. Et par la suite, on annonce la technique à appliquer. Les bases, il faut les apprendre, il faut toujours y revenir, il faut les pratiquer, et puis les oublier. Bien entendu, puisque comme toute chose authentique, il faut apprendre, et puis ensuite apprendre à apprendre, désapprendre, et aussi tout oublier pour pouvoir tout restituer. Donc ensuite, ce qui est important, c'est vraiment la création. Mais pour créer... C'est-à-dire pour vraiment atteindre cette dimension artistique de l'aïkido, ça suppose d'avoir maîtrisé quand même ces deux grandes séries, la série A qui sont, si vous voulez, les projections, et la série B qui sont les principes ou immobilisation. L'aïkido permet aussi de faire des applications avec les armes. Alors essentiellement, il y a trois départements. D'une part, l'aïkikin, c'est-à-dire le sabre de bois, bokken. L'aïkijo, le bâton entre 1,10 m et 1,20 m généralement, et le tantodori, qui est le travail au couteau en bois. Alors, ça correspond exactement au principe de l'aïkido, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup au Japon d'écoles, évidemment, de bâtons et de sabres,
Mais l'aïkikan, l'aïkijo et les tantouris, c'est vraiment ce que le fondateur de l'aïkido a gardé pour les pratiquants d'aïkido. Ce qui fait que on s'aperçoit que les armes sont considérées comme les prolongements naturels de nos membres et c'est pas, ça change pas. Donc, grosso modo, pour un pratiquant d'aïkido, que ce soit fait à la main ou avec des armes, c'est pratiquement, ça répond au même principe. Donc, c'est très intéressant de. Parfois, on peut retrouver, du reste, avec le sabre, le sens originel du mouvement. Parce qu'il faut bien comprendre que les techniques de main sont issues des techniques de sabre. Et son substitut, qui était le bâton, bien sûr, bien souvent. Aï signifie harmonie, amour, au sens altruiste du mot. C'est le premier concept. C'est-à-dire, il faut être en accord, si vous voulez, avec soi-même et naturellement être en accord avec l'univers. Alors si quelqu'un est en accord avec lui-même et est en accord avec l'univers, il sera fatalement en accord avec la détermination de l'univers qui sera la situation donnée, c'est-à-dire telle ou telle attaque par telle ou telle personne. Ensuite, il faut utiliser le ki, c'est-à-dire cette force de vie universelle qui s'exprime à travers nous, mais qui n'est pas notre propriété, si vous voulez, qu'on peut utiliser, mais qui n'est pas lié à notre physique ou à notre capacité individuelle. Et ensuite, il y a le concept de la voix, c'est-à-dire le do, au sens japonais du terme, michi aussi, dit-on parfois, c'est-à-dire la voix de l'harmonie avec le ki de l'univers. Thank you.
Ça, donc, c'est une entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquons un peu, quand même, pour que vous ayez compris ce que c'est l'équilibre. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'équilibre. Si je mets ça, automatiquement il y a ce danger. Bon, peut arriver une attaque comme ça, qui est un début, c'est jamais une fin. Mais ça veut dire que quand je suis pris comme ça, je ne peux pas m'en aller. Et très souvent, c'est la même chose. Avec la même main, je peux me frapper. Donc, c'est beaucoup plus dangereux qu'on imagine. La première chose à faire, c'est d'avoir anticipé dès le début et être dans une position où il ne peut pas. Du fait qu'il y a la différence des épaules, il ne peut pas vous frapper. Et c'est comme si vous leviez en sable, ici, comme ceci. Et ici, voyez-vous, on coupe, comme ça. Donc, le mouvement est comme ceci, si vous voulez. Si je rentre directement, si j'ai le temps de tourner complètement, il faut que ce soit, effectivement, la projection est de base, comme ceci. Si jamais on va plus vite, des fois il n'a pas le temps, vous voyez, de placer son bras, donc le mouvement se fait ici. Donc ça, c'est toujours sur la même entrée, on a montré deux façons. Soit je prends le contrôle ici par l'extérieur, comme ceci, soit sur cette entrée, je prends le contrôle ici, comme ceci, pourquoi? Parce que imaginons que tu es là, toi, et toi là. Il y en a deux, en aïkido, on peut faire du travail pour plusieurs adversaires. Donc si je prends le contrôle comme ça, je ne contrôle plus celui-ci. Donc dans ce cas de figure, il faut faire ça. Vous comprenez? Prendre le contrôle comme ça. C'est pour ça qu'il y a plus... de force comme ça, hein. Et c'est la résultante de force qui fait que je peux passer. À aucun moment il peut lâcher, s'il lâche, hein, bah. Donc à aucun moment il peut lâcher, à la limite je pourrais le projeter comme ça, directement. Ensuite, je peux aussi prendre le même sens que tout à l'heure, c'est-à-dire ici ouvrir comme ceci, voyez, revenir et passer. Je peux aussi faire ceci, tourner comme ceci, revenir comme ceci. Des fois ça suffit pour faire une projection. Quand ça ne suffit pas, on se trouve dans cette attitude, vous voyez, on peut passer derrière, faire le mouvement Shionage dit Ura, c'est-à-dire extérieur. Alors Aikido se développe de deux façons, positif, on passe devant, négatif, ça veut dire que le danger du poing est déjà là, donc on passe derrière. Et on projette toujours comme un coup de sabre. Cette technique s'appelle Shionage parce qu'on peut projeter quelqu'un dans les quatre directions. Par exemple, je peux le projeter dans la direction ici, c'est le mouvement le plus simple. Il n'a qu'à s'asseoir, donc on l'a projeté dans la direction opposée. Je peux aussi le projeter dans cette direction. De toute façon, là je passe ici. Et dans cette direction. Je peux le projeter dans cette direction ici. À ce moment-là, je viens comme ceci pour le projeter dans cette direction. Je peux aussi projeter tout droit, dans la même direction qui est là-bas. Et donc c'est un mouvement qui vient, un mouvement de sable, je vais vous montrer. Ça a été porté comme ça.
comme des samouraïs, le tranchant en haut. Donc, on dégainait, on coupait dans ce geste, ici, comme ceci. Donc, c'était toujours la même idée, couper dans les quatre directions. Et le mouvement que vous venez de voir, c'est le même. Par exemple, vous faites mon poignet, le sens du mouvement est le même. Vous voyez ? La technique Udekime Nage par rapport à la technique Shionage, c'est parce qu'on ne peut pas tourner. Si on a pu tourner, hein, comme ça, on a pu passer, ça donne Shionage, qu'on vient d'étudier. Si on n'a pas pu passer, mettons sur une saisie arrière, pareil, peu importe. Et quand je suis ici, le bras est tendu. Et je peux pas, on ne peut pas le tourner. Donc, il faut continuer à faire un mouvement de supination, pronation, comme ceci, vous voyez là. Et projeter sur le côté. Si c'est catatédrique, c'est la même chose. Le mouvement, comment marche-t-il? Il marche par ça. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas grand-chose, hein? Mais c'est ça. Le sens du mouvement. Donc, troisième technique, ça fait le côté gaïchi, qui est le même sens que si quelqu'un m'a batté un coup sur la tête, Shomen. C'est-à-dire avec le sabre, si je suis dans cette attitude, je veux couper ma tête, il faut que je rentre comme ceci de profil. Donc on va le faire à la main. Quand il y a, si vous voulez, une chose comme ça, allez, paf, c'est cette intention-là, de couper la tête, c'est le même sens que le mouvement de sabre. À ce moment-là, il faut que je sorte ici, comme tout à l'heure, et j'ai un contact ici. J'utilise ce contact pour passer comme ceci et pour ramener le poignet sur lui-même. Naturellement, ça m'amène à une technique d'immobilisation. S'il y a un autre adversaire qui vient, je me place ici comme ceci, je peux contrôler ici. Je peux aussi passer ici et contrôler comme ceci. Je peux aussi, quand je suis ici, descendre ici et contrôler comme ceci. Tout ça, ce sont des... Tous ces contrôles sont possibles à partir de cette technique. Alors, Shomen Shi, c'est un coup sur la tête. Il faut passer comme si c'était avec un sabre, établir un contact, passer ici, revenir et projeter. Et sur la prise d'un poignet, c'est exactement la même chose, rien de mis. Alors, le mouvement ne change absolument pas. Si c'est fait, kataté de lit, on peut faire plusieurs façons. On monte comme ceci pour passer, couper, au même mouvement. Il faut venir garder le contact. À partir de ce moment, on rentre ici comme ceci. Et le mouvement peut être fait de la même manière. Ou alors, faites un plan plus large. Yokome arrive ici. En reprenant son sang. Il y a un contact, j'utilise ce contact, que je viens ici, pour tenir ce mouvement comme ceci. Donc, contact ici, comme ceci. Là. Quand c'est saisi comme ceci, on monte comme ça. Le mouvement est aussi comme ça. Quand c'est mettons, katadori mais aussi. Comme ceci peut être fait en rentrant comme ça, par en dessous,
ou va être fait comme ceci, directement en tournant ici. Comme ceci. L'originalité de cette technique, c'est de ramener tout ceci vers son oreille. Comme ça. Et c'est ça, les mouvement et la main. Sur son main. Faire debout à genoux sans problème. Exercez une action genou contre la nuque, glissez comme ceci et à partir de là, contrôlez son épaule. Alors, le mouvement peut se terminer aussi quand on est debout comme ceci, avec un angle droit 90 degrés et comme ceci, des fois ça suffit d'ailleurs d'avoir comme ceci, on peut passer comme ceci aussi, on peut passer ici aussi. Contrôler. Voilà les contrôles qu'on peut faire à partir de la technique côté gaïchi. Mouvement iriminagi. Donc sur cette saisie, on rentre. Il y a une relation de force. Vous voyez. Mais à notre avantage, on fait monter comme ça le regard vers le haut. Hein, et on passe dessous. Mouvement iriminagi positif. Quand on ne peut pas faire ça, de l'autre côté, quand on ne peut pas aller plus loin, c'est trop solide. Alors on utilise cette force et on tourne, comme ceci, pour arriver au même endroit ici, au même moment, mais après avoir fait un tour. Donc, si c'était un coup de poing au ventre, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut avoir le même rapport de force si on comprend la distance. Comment ça marche? Eh bien, c'est ça. Si vous imaginez, ça arrive ici. Quand ça pousse, il faut tourner et rentrer. Est exactement le même. Si on fait sur une saisie d'arrière de deux poignets, quand il rentre, on ne laisse pas saisir cette main et on vient saisir directement ici. On rentre comme ça. Si c'est Yokomenushi, pousse le côté. Ici, il faut garder la relation, passer comme ceci et rentrer. Mouvement rentre. Si, même chose de l'autre côté, si ici, on sent que c'est difficile de rentrer directement parce qu'il y a une relation ou un danger de coup de coude, il faut maintenir la pression et utiliser cette pression pour l'amener ici. Et on se retrouve un peu plus loin dans la même situation. Si c'est ton pied qui arrive au ventre, même chose. Ici, je peux rentrer. Ici d'être assez loin aussi pour que lui puisse aussi protéger et qu'il y ait une relation. Ici pour monter, voilà un contrôle. Il faut donc, il est obligé de monter dans ce sens. Si il descend, s'il monte de l'autre côté, comme on voit des fois, je fais clairement, il perd la relation. Donc il est obligé de tourner comme ça autour pour garder l'équilibre. Ce qui fait qu'on peut ensuite continuer de faire des mouvements en série. Si on a une relation comme ça, on coupe comme si on coupait le tapis et on ramène en contrôlant l'épaule. On tourne la main comme ceci et on projette devant soi, droit devant. Non. Ici aussi, si je tourne derrière comme ça, et comme ceci, je viens me mettre à l'abri. Ici, je coupe comme ça. Et avant, sur son côté mort, je pouvais. Bon, cette technique est intéressante parce qu'elle permet de créer une relation ici,
Allez, oui, on prend, on rentre, on contrôle la tête, le genou, vous pouvez contrôler, vous voyez, on peut aussi passer comme ça. Quand quelqu'un vous saisit, il faut toujours avoir comprendre ça, c'est pas pour qu'on lui fasse une technique, c'est toujours dans l'idée, je peux plus partir. Donc avec la même main, il peut très bien m'emmener, paf. Vous comprenez? Donc ce qui est important, c'est d'être jamais là où il vous attend. Si à ce moment-là, c'est là, il a besoin de cette main pour se protéger. C'est pour ça qu'il ne lâche pas. Imaginez, il lâcherait ici. Non. S'il ne lâche pas, il est obligé de descendre. Comme ceci, et donc, il passe jusqu'ici. Ici, il faut éviter qu'il monte. S'il remonte, c'est ça qui arrive. Donc il faut couper comme on couperait ici avec un sable. Et fermer, vous voyez? Faire une sorte de rond, comme ceci. Si on le projette à l'extérieur, on m'en dit ou là, on passe ici et on enferme dans ce mouvement. À ce moment-là, le mouvement est circulaire. Donc l'idée, si on rentre pas, si on de suite, si on est ici comme ceci, tout de suite on peut prendre le contrôle, sa tête ici, et passer des fois comme ceci. Et il faut faire un ukemi latéral. Bon, c'est un peu, si vous voulez, comme un footballeur, vous voyez, qui dribblerait un peu au lieu d'aller directement ici sur une saisie, me jeter comme ça sur lui. Je fais comme faisait Platini, je passe ici, voilà, je comprends les pieds et le mouvement se fait ensuite. Voilà le Kaiten Nage. Technique Tenchi Nage, c'est une technique qui vient de. Du tai chi qui vient de la période où le fondateur de l'aïkido, Moriya Iwashiba, était en Chine. C'est en fait ten, c'est chi, c'est terre-ciel. Donc il faut qu'il y ait une main qui simule l'action de la terre et dans le même temps, une main qui monte et qu'on déplace le centre pour une projection. Si il me saisit, par exemple, on utilise souvent en aïkido les saisies de poignet parce que c'est pareil, on peut changer mille formes, mais c'est plus facile pour démontrer. Quand il prend mon poignet, j'amène cette main vers le bas. Et ici, je simule quelque chose pour faire monter. Je vais décomposer l'action des deux mains, l'action de la main terre et la main ciel. Si je ne fais que l'action de la main du ciel, par exemple, vous voyez, c'est comme un barrage d'eau. Allez, l'eau arrive comme ça ici, vous voyez, allez, l'eau elle arrive, elle rencontre le barrage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit monter comme ceci. Et en montant, on fait monter les énergies comme ceci. Et il faut reconduire comme l'eau passe par-dessus le barrage, elle reconduit. C'est un tout petit mouvement, mais il ne faut pas que je le sache, moi. Si moi je le sais, si je pense, au moment où j'avance, lui il pousse. Alors. C'est-à-dire ça donnera toujours une action-réaction. C'est pour ça que quand on fait de l'aïkido, c'est une création. Il faut oublier qu'on fait de l'aïkido. Hein, c'est ça. Par exemple, si je ne sais pas quand est-ce que je le fais, ce tout petit mouvement de poignet va être suffisant pour projeter quelqu'un. Mais si je sais, bien sûr, lui il sait aussi. C'est-à-dire si je calcule, lui aussi. Hein, vous voyez ? Il y a une réaction et une action. On le voit avec le mouvement de son corps. S'il n'y a rien, évidemment, s'il ne le sait pas, si je ne sais pas moi-même, si c'est spontané, un tout petit mouvement comme ça, des fois, suffit pour projeter quelqu'un. En plus, si on y ajoute l'action de la main terre, quand il tient la main ici, cette main, elle garde la coordination, elle l'amène légèrement sur ce pied, voyez, sur cet orteil. Donc, en fait, si on monte comme ceci, et si on ajoute les deux actions, on provoque comme ceci. Si j'ajoute à l'autre côté, l'action de la hanche, ici, allez, dans mon action, je rampe, ici, voilà. À ce moment-là, on a un peu plus d'action dans le mouvement, parce qu'on a pénétré. C'est une série de techniques, en fait, par projection de l'énergie potentielle intérieure. C'est-à-dire, en fait, c'est une technique où on n'utilise pas, à proprement parler, une articulation en particulier, mais c'est sur la dynamique du mouvement. C'est une technique qui traduit bien, si vous voulez, l'efficience du pratiquant. Par exemple, sur la prise d'un poignet, comme ça, le kokunage, ça veut dire, voilà, il y a une force, vous voyez, je prends cette ligne avec lui, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et ici, 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 tout naturellement, voilà, quand le mouvement est bien ouvert, est bien grand. Eh bien, on peut faire la même chose avec un mouvement plus court, c'est-à-dire ici, ça veut dire ça. Tout simplement,
Et si on le faisait beaucoup plus court, ce coquenaguet, ça donnerait presque un atimi, c'est-à-dire ça pourrait donner ceci. Donc le mouvement serait le même. Alors on peut faire coquenaguet par exemple à partir de saisie comme ceci, ici. Voilà, par exemple une projection directe. Ici, catatédolie, je rentre. Je peux projeter aussi en rentrant dans l'instant. Mais ce sont des séries de mouvements qu'on ne peut pas faire au ralenti, parce que si je m'arrête, oui, et quand je rentre, il bloque, c'est fini. Donc, ça doit jaillir. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Quand quelqu'un tient mes deux poignets, si il m'empêche de fermer, oui, si moi je pense qu'il faut que je ferme, il attrape ça. Oui, il attrape ça. Si je ne sais pas, moi, comment voulez-vous qu'il m'empêche? Je ne sais pas quand est-ce que je fais ça. Donc, à ce moment-là, il y a spontanéité. Et tout art, c'est une création spontanée. Donc, ça... il faut que ça puisse passer dans l'instant. Donc, c'est quelque chose qui, du point de vue technique, est assez grossier. Et demain, par exemple, vous voyez, ce n'est pas la technique qui compte, c'est d'être là où il faut quand il faut. Donc c'est plutôt un mouvement qu'on appelle d'énergie. Les deux poignets, ils passent par derrière, les deux poignets, ça peut être ceci. Ce sont des techniques qui ne sont pas, si vous voulez, comment pourrais-je m'exprimer, elles doivent arriver dans l'instant comme ça. Par exemple, l'idéal, le meilleur coquenaguet, ça serait d'être capable de prendre quelqu'un comme ça, et comme l'ont fait certains maîtres, comme le faisait le fondateur, et faire ça. Le projeter. Ça serait formidable. C'est l'idée, d'être capable de saisir quelqu'un et le projeter. Alors, si c'est les deux épaules, on tourne, c'est la même chose. On peut aussi projeter, mais si on laisse fixer la personne, après, c'est plus possible, c'est comme du judo. C'est fixé, alors après il faut tirailler les vestes ou faire une autre technique. Mais c'est une question de moment. Si on est placé comme il faut au bon moment, la technique se fait assez facilement. S'il est tout à fait partenaire, on peut faire au ralenti. Mais la vérité de ce mouvement, c'est ça. Quand il m'a pris comme ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, il réalise. C'est plus possible, non, j'appliquerai une technique d'équilibre haute, par exemple, comme ça. Mais je ne pourrais plus faire celle-là. Et c'est la vie, il y a des choses dans la vie, on ne peut les faire qu'une fois. Saisis, par exemple, les deux poignets. Si je suis monté comme ceci, comme une colline, vous voyez, comme ça, ici. Si je suis bien spontané, j'accroche bien son ventre, pas avec mon ventre, comme ça. Projeter. Si pas derrière moi, prends mes deux poignets très fort, si je me centralise bien ici, je peux aussi projeter. Mais une fois que c'est fait, c'est-à-dire une fois que j'ai attendu, que c'est bloqué ici, cette technique est plus possible. Il faut utiliser une autre technique peut-être. On les verra tout à l'heure, une technique de sortie comme ceci, ou autre chose. Ce n'est plus des techniques de projection. Donc ces techniques appelées coquenaguet sont sur la spontanéité. Il vient. Peut-être qu'on vient de voir. C'est là. C'est toujours à ce moment où il faut que votre esprit contrôle toujours le sien. La technique que nous allons faire, c'est Udegalami. C'est une ancienne technique qui était de moins en moins utilisée. Par exemple, quand quelqu'un saisit votre manche comme ça, vous pouvez utiliser cette technique en passant comme ceci, avec le bout du doigt, en prenant comme ceci. Et vous étendez ceci à partir du centre. Donc, il faut l'étudier avec cette sens. Passer enrobé, descendre ici à partir du coin. Le bras ne travaille pas. En fait, le bras, c'est que le vent, il exprime la force du ventre. Il maintient l'attitude. Donc, c'est une technique qu'on peut faire à partir d'un coup de couteau au ventre. Par exemple, qui démontre bien. Ça me permettra, par la même occasion, de vous expliquer deux choses ou trois sur les techniques de couteau. Celle-là.
Quand on va vous attaquer avec une arme, malheureusement, souvent, on pense à l'arme et c'est fini, on est hypnotisé par l'arme. Deuxième erreur, c'est si on recule. Si on recule, on a peur, il y a une différence, il finira par vous atteindre. Donc, ce que j'ai expérimenté dans ma vie, je n'en suis sorti qu'avec ça, c'est de ne jamais reculer face à une arme, au contraire, obliger quelqu'un à attaquer. Comment faire pour l'obliger à attaquer? Il faut toujours continuer à avancer tranquillement. Bon, si on avance toujours, au bout d'un moment, il y a un contrôle qui se fait ici. Ce contrôle peut être étendu jusque-là. Et à ce moment-là, naturellement, vous pouvez prendre cette arme sans problème. Si vous ne reculez pas, s'il n'attaque pas, il faut l'obliger en avançant la hanche, c'est-à-dire en faisant une action-réaction. Il y a une action-réaction, donc après on pourrait faire une autre guide. Peut-être que le dégât ici qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas gênant, si vous voulez, mais on étudiait la technique du dégât à la mine. Je dis à la mine, quand il saisit comme si, vous voyez, je remonte ici et je croise ses bras comme ça. Regardez. Vous voyez ? À partir de là, j'exerce ma poussée de hanche à hanche, je ne m'occupe plus de ses bras. C'est la hanche. Et donc, je peux projeter quelqu'un par cette technique. Si par exemple, il me donne, prends le poignet, et avec l'autre main, il me donne un coup, et de ventre. Donc, je tourne comme ceci, et même chose, je peux aussi encore faire ceci. Vous voyez ? Si je voulais, je pourrais y ajouter un koshinage, c'est-à-dire la hanche. À ce moment-là, le projeter comme ça. Donc, cette technique est plus beaucoup utilisée parce qu'elle est dangereuse. Que l'oukimi, c'est difficile, la chute, le mouvement. Et parce qu'ici, quand quelqu'un est bien pris, c'est difficile. Donc, parfois, il y a danger, naturellement, sur les clavicules. Ça peut être fait sur deux personnes. Deux personnes qui saisissent les poignets. Comme ceci, vous voyez, un entrecroisement des bras. Je fais ainsi, comme ceci. Et on peut les garder. Il faut que je saisisse ici et je rentre ici. Je fais donc un croisement comme ceci. Vous voyez ? Voilà, il faut montrer l'entrecroisement des bras. Ici, si vous exercez une action réciproque ici, comme ceci, vous avez automatiquement une projection sur deux personnes. Comme tout à l'heure, on pouvait faire shionage sur deux. On avait vu au début le premier générique shionage. Si je le ramène au centre, vous voyez qu'on arrive ici à la même technique qui est shionage. Alors ces techniques-là sont appelées futarizori, c'est-à-dire technique sur deux saisies. Kokyunage, par exemple. Là aussi, c'est faisable si on rentre au bon moment. Et si je ne pense pas, ça démarre dès le poignet. C'est en dessous. Vous voyez, j'ai déjà amené ceci. Je peux faire mille choses. Je peux aussi projeter comme ça. Utiliser, si ma main gauche est souple, prendre comme ceci et les ramener eux au centre. À ce moment-là, vous voyez, on va se placer comme il faut que vous voyez bien le mouvement. Il est comme ça, dans l'absolu, il est même comme ça. Et ici, c'est le même mouvement que si on avait, qu'on a vu tout à l'heure à 1, c'est-à-dire, c'était celui-là, quand le bras est plié comme ça, vous voyez, qui est ce mouvement, sauf que là, vous imaginez que le bras est plus gros, puisqu'il est double. Pour l'entrecroisement des bras, au lieu de les ramener, comme on a vu tout à l'heure, on peut faire ça, les ramener ici, allez, finir comme ça, avec un étranglement, là aussi, il y a beaucoup de possibilités, si vous voulez, mais pour l'entrecroisement des bras, il faut que vous réussissiez à passer comme ceci, les ramener au centre, pour que le bras soit croisé ici. Voilà, voilà le mouvement. Voilà. Donc ces techniques-là éduquent surtout la stabilité des hanches et vous permettent un dégagement. En aïkido, on ne doit jamais attendre, on ne doit jamais se défendre. Il faut tenter de contrôler la situation, finalement l'attaquer au moment où il attaque. C'est là où il est plus fragile. Alors qu'est-ce que ça voulait dire avec le tantôt? Les gens avaient toujours un petit sabre ou un grand sabre ou un éventail de guerre de 10 lames repliées qui servait à s'éventer. Et ça voulait dire que par exemple, si j'avais ça, quand il veut attaquer ma tête, je vais attaquer son genou. Donc ça éduque la vigilance. Si je n'ai pas ça, eh bien l'idée est de faire la même. On va rester en haut.
quand il est là, il faut à ce moment-là venir ici et que lui ait vraiment le sentiment qu'on attaque son genou ici, de côté. Donc ça veut dire que comme si c'est pas faire d'aïkido, on peut lui casser le genou, mais comme normalement il connaît ça, c'est-à-dire quand on rentre, on vient rentrer attaquer ici, et si on descend, on attaque ici, donc on passe littéralement. S'il n'y a pas de bonne synchronisation, je me demande ce que ça peut donner avec. Alors ça, ce sont des techniques de projection à l'aide de la hanche. Cette technique s'appelle Koshinage. Elle peut être illustrée par plusieurs pratiques. Par exemple, sur la prise Ayanmi Katatetori. Ici, on peut projeter aussi Koshinage, sortir. Et cette technique, vous voyez, on passe comme ceci, on fait un grand levier et on projette comme ça. Kata de l'humain aussi, on peut projeter ici aussi. Vous voyez, je reviens comme ceci. Voilà. J'ai aussi la possibilité de projeter comme ça. Quand les deux poignets sont pris, on peut rentrer comme ceci. On peut ici, venir projeter comme ceci. On peut faire ceci. Par derrière les deux poignets. On ouvre ici et on saisit les deux comme ceci. Dans cette projection est intéressante, on peut la faire de multiples façons. Vous voyez ici, il ne faut pas lutter comme ça, parce qu'il pourrait vous soulever comme ça. Hein, elle soulève, ça se fait. Donc il faut vider ça. Tiens fort, regardez. Vous voyez, plus il est fort, plus. La projection devient facile parce que c'est comme un oiseau qui est dans la cage, il bouge, il ne tient que la cage, il ne tient pas l'oiseau. Quand il tient de loin, vous deux, ça, vous passez comme ceci, entre ces deux, sous le coude, vous rentrez comme ça. Voilà. Il est aussi possible de projeter comme ça. Donc, cette technique s'appelle Koshinage. Cette technique, elle signifie littéralement projection en coin. C'est une technique ancienne qui vient d'une ancienne école qui s'appelait Kito Ryu, qui était l'ancêtre du judo. Un peu comme Tenshi, quand il a pris mon poignet, voyez, je me suis déplacé et je vais contrôler son genou. Vous voyez, comme ceci. Okay. Donc cette projection peut être faite lente, comme ça, ou c'est Yoko Ukemi, c'est-à-dire quand il vient ici, ce mouvement, je rentre ici. Donc je viens contrôler son genou. Normalement ça peut être ça. Non, il ne faut pas qu'il laisse le genou. Il faut bien qu'il parte. Voilà le sens. De même s'il vient vers moi, je peux être aussi la même chose. C'est la même idée que quand j'avais un sabre, par exemple, ici au côté. Là, il voulait, j'étais comme ça, il voulait venir m'empêcher de dégainer. Je viens couper ici. Donc, quand il veut prendre cette main, très bien. Mais ça, il ne faut pas qu'il reste. Bon, là, ça ne marche pas parce qu'il n'anticipe pas. S'il n'anticipe pas, je coupe la jambe. Et c'est toujours beaucoup de choses en aïkido qui sont liées à l'art de comprendre la situation. Donc, s'il anticipe un peu, ça évite de prendre un coup. Kinyotoshi, c'est une technique différente. Par exemple, si je me donne un coup, comme un coup de sabre latéral, je connais aussi. Alors, on va peut-être changer de pied pour faire parler un peu tout le monde. Parce que l'aïkido, on peut pratiquer à tout âge. Bien sûr, des fois, on se fait un peu feignant pendant de l'âge, mais ça fait rien. Donc, quand il va me donner yokomen, un coup pour rien. Hein, un yokomen. Je passe ici, je rentre et je coupe comme je couperais latéralement. Il faut passer ici, déjà se protéger. Ça, je vais montrer le détail puisqu'il y a dans un temps trois mouvements.
Il y a ça, ça et ça. C'est-à-dire, c'est ça. Il faut donc, comme en musique, n'est-ce pas, l'espace-temps, ça c'est l'espace 1, et dans cet espace 1 qui fait par exemple tin, je fais tin tin tin. Hein, comme les croches, les croches, la musique, vous connaissez donc, quand son attaque arrive, je suis déjà passé, j'ai contrôlé. Je ne peux pas là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il veut avancer, je contrôle ici. Donc j'ai un point d'ancrage de force. Je rentre ici comme ça. Et je coupe. Alors, ici, nous faisons que ça pour simuler le mouvement de sable. Alors, explication rapide. Quand on donne cette forme, beaucoup de gens ne comprennent pas, naturellement, parce que l'aïkido vient du sable. Mais ça nous permet de travailler. Mais ça ne change rien, par exemple, à un jab ici, ou à un crochet redoublé, ou ça peut être la même chose. C'est exactement pareil. Donc, nous, nous n'occupons pas, si vous voulez, du bras. Je ne vais pas chercher un bras où je prendrai son coup. Je contrôle cette ligne d'attaque, la ligne qui représente ça et ça. Donc quand ça, ça arrive, de toute façon, si je suis comme ça, comme ça fait un cercle, pour venir couper mon cou, il y a une rencontre. Mais mon esprit est positionné ici. Et si c'était une feinte, ça y est, qui fait semblance, hop, et paf. Donc, je ne m'occupe pas de ça, je m'occupe de la ligne ici. Mon esprit est toujours centré sur lui, et donc c'est ce qui me permet de pouvoir passer et le projeter comme ça. Contact contre les fausses côtes, ici, on ouvre, on pose le ventre et on travaille ici. Si jamais on arrive un peu trop bas, ce qui arrive parfois, on a la possibilité de frapper avec le coude. Donc, on crée une relation ici de contrôle. On embobine ici, on enroule, vous voyez, comme ceci. On passe de ce côté, sur son bras, et on termine par un étranglement ici. Le bras était déjà sur la tête, donc si je rentre, je le prends. Alors il faut que je le laisse passer, comme quand on évitait le sabre, en même temps de ce côté. Du même coup, je garde le contact ici au bras, et je pivote pour me retrouver finalement dans la même attitude. Ici, ce n'est pas le bras qui pousse, c'est le ventre par l'intermédiaire du bras qui exerce une pression ici, tendant à dissuader. Ensuite, on se relève. Ça, c'est le premier blocage. Alors, ce blocage, on l'étudie sur de multiples formes. Par exemple, sur la prise de veste, ça peut arriver. Voilà la poitrine, ici, comme ça, non. Il faut descendre ici, passer comme ça. Naturellement, on arrive au même blocage. À ce moment-là, c'est la forme d'attaque s'appelle Munaduri. Si c'était un coup de poing poitrine, c'est exactement la même chose. Là, ça arrive, si on est dehors. Donc, on contrôle le coude de la même manière. Si le mouvement est dit négatif, c'est par exemple Yokoma, on passe derrière. Naturellement, le mouvement se termine de la même façon, mais il est dit négatif. Ça, c'est le mouvement Ikkyo. Alors, on peut le faire sur d'autres formes, par exemple, ces deux prises de poignets derrière, on a vu tout à l'heure. Auquel cas, ici, il faut absolument remonter comme ceci. Vous voyez, et avancer, et faire ça, ça, et ça. Auquel cas, terminaison. Si c'est les épaules, c'est la même chose. On prend par les épaules. On centralise bien ici et on fait une extension comme ça. Là, on est à l'abri, on pourrait frapper ici et on saisit et on finit le mouvement de la même manière. C'est-à-dire, Ikkyo, c'est fini de la même manière. On peut travailler le mouvement Ikkyo à partir du contrôle à genoux. L'idée positive, c'est que quand il m'attaque Shonin, je dois attaquer son visage pour qu'il se protège. Parce que comme je suis plus sous l'attaque, même que le coup passe, c'est pas gênant. Donc, ça lui apprend à éduquer l'intuition que
Évidemment, s'il n'y avait rien, si rien ne se produisait, paf. Et comme au moment où il attaque, je ne me défends pas, je l'attaque au moment où il attaque. Donc, finalement, eh bien, à ce moment-là, il me donne la possibilité de faire l'aïkido. Évidemment, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas naturellement l'aïkido, il va s'enferrer dans son attaque. C'est pas gênant, on est déjà passé ici. On a une ouverture ici. Vous comprenez? Donc il y a toujours possibilité d'atémi si c'est quelqu'un qui naturellement ne sait pas faire l'aïkido. Sur une saisie de poignet, par exemple, j'ai pivoté comme ceci, je me place comme ceci. Et au lieu de rentrer ikkyo parce que ça m'est bloqué, je ne peux pas, je vais reconduire cette force vers son propre centre, ici, comme ceci. Donc je me trouve comme ça, et évidemment, si je l'amène ici pour montrer, par exemple, je me trouve comme ceci, et je peux finir le mouvement comme ça. Ça, c'est dit ikkyo positif. Ok, ensuite, mouvement katatevuri, peut-être je peux aussi rentrer directement, comme ceci, et faire le même mouvement, toujours dit positif parce que je passe devant. Si je fais le mouvement dit négatif, quand il frappe par exemple chemin, je me place ici comme ceci, je coupe jusqu'au sol et je remonte comme ceci vers moi. Ici j'ai créé une certaine relation avec son bras. Vous voyez, je maintiens cette relation, il n'y aurait pas besoin de grand chose. Mais quand même on prend plus de précautions. On descend comme ceci. Et ici, on contrôle en tournant. Une finition est évidemment la même. Donc, ici, toujours le même endroit. Bon. Je me suis sorti de son attaque. Peut-être ici, ici, là. Si son attaque voulait arriver, je la contrôle ici. Voilà, on peut finir comme ça. Et le mouvement se termine ainsi comme ça. Ceci est dit nikyo. Oula, c'est-à-dire négatif, étant entendu que omote signifie devant, donc yang positif. Alors, quelle que soit la forme d'attaque, si par exemple c'est la prise d'un poignet direct, ici je peux partir comme on a vu. Si c'est l'autre prise du poignet, c'est-à-dire l'autre côté, je peux aussi partir direct ici, vous voyez, et faire un mouvement comme ceci, et revenir ici, faire le mouvement nikyo. C'est un mouvement assez spectaculaire parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est très douloureux, mais on n'a rien. Une fois que c'est passé, et il se relève, ça, il n'y a rien. En aïkido, on essaie toujours de prendre l'articulation dans son sens, dans le sens de la pliure normale. Donc, on pourrait risquer au maximum une élongation, mais en fait, et c'est le blocage est très court, c'est un peu l'épaule. C'est le point unique qui descend ici, le contrôle, et ça suffit. C'est vrai qu'on ne voit rien pratiquement de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on voit? Pratiquement rien. Et pourtant, le mouvement y est. Il ne descend pas par plaisir, c'est parce qu'il y a un contrôle. Donc, si on y ajoute en plus ça, ici, on peut le faire comme ça, on peut aussi le faire comme ça, ici, donc on a un contrôle. Donc, voilà le mouvement nikyo. Vous voyez, le temps fort du mouvement, c'est ceci. On ferme ici, les bras ne font rien. Ils maintiennent, tout est coordonné, le poids de chaque bras est à la partie la plus basse des bras, il suffit que la hanche descende un peu, ça fait faire cet angle, comme ça. Et ça suffit, vous voyez, mes mains ne font rien, elles ne font rien, elles ne bougent plus, la hanche descend. C'est pour ça qu'on ne peut pas le contrôler. Si ici je faisais quelque chose avec les bras, lui aussi se contracterait et il contrôlerait le mouvement. Mais mes bras ne font rien, ils ne sentent rien des bras. C'est simplement ma hanche qui descend, c'est extrêmement douloureux, ça pourrait se faire, je vous dis, simplement avec l'épaule, le poids de l'épaule. Donc, c'est le mouvement qui... Alors, ici, pourquoi ça se fait? Parce que quand on a essayé de vous frapper et qu'on a fait ce geste ici, normalement, il a envie, si vous ne mettez pas de force, de vous frapper avec le poing. Donc, du même coup, si vous montez, il se retrouve avec le poignet, le coude plié. Et c'est insidieux, mais si vous montez légèrement à 45 degrés, comme ça, mine de rien, quand il arrive là pour vous frapper, hop, vous pouvez faire ça. Mais des fois, comme il pratique l'aïkido, il connaît, il remonte le bras tendu, vous voyez. Donc, vous ne pouvez plus rentrer. Alors, à ce moment-là, vous enroulez comme ceci, vous voyez. Et vous avez le mouvement qui s'appelle Ijikimeosae, qui est une variation lorsque le bras est naturellement tendu comme ceci. Oui. Donc, la fin est semblable à Nikyo. Vous voyez que le Nikyo, quand on a le contrôle ici, si je le lâche, il s'en va, là, il est vigilant, il s'en va. Là, il ne l'est pas, mais enfin, dans l'absolu, il l'est. Soit le... Tu as un trou là devant toi. Tu vois le trou? Si on te lâche,
s'en va. Et peut-être il vous frappe ici. Bon, ça veut dire qu'il faut garder la relation ici avec lui. Voilà, elle est là la relation. Donc je passe légèrement ici et il y a un trou. Donc je l'enferme dans ce trou. Et naturellement, je viens ici, hop, changer, vous voyez, comme ça. Et je ne fais rien encore avec mes bras, c'est simplement mes hanches qui font ce geste. Donc c'est pour ça que je peux aussi le soigner. Parce que le but de l'aïkido, ce n'est pas de casser, c'est de soigner. Vous voyez, là, quand il frappe ici, si j'ai un bon contrôle à partir de la hanche, je sais que je pourrais aller un petit peu plus loin malgré tout, sans lui faire de mal et je lui fais travailler l'épaule. À ce moment-là, c'est santé. Bien sûr, si on était brutal, on pourrait arracher l'épaule, mais ce n'est pas du tout le but de l'aïkido. On va travailler Sankyo. Sankyo, c'est, vous avez vu que Ikkyo, c'est une technique de haut en bas. Nikkyo, c'est une technique comme ceci. Sankyo, c'est on renvoie la force vers le haut, dans les diagonales, comme ceci. Ça veut dire que la technique, par exemple, quand vous coupez la tête comme ceci, vous avez ceci, voilà. Ici, voilà dans quelle direction vous devez envoyer la force, comme ça, là, ici. Mais pas avec mes bras, vous voyez, simplement, il y a une coordination, regardez. Hop. Et c'est un mouvement qui est pratique, qui sert aussi à projeter quelqu'un, on peut le contrôler comme ceci, ou descendre ici, la différence avec Nikkyo, c'est qu'on prend l'intérieur de la main, et qu'au lieu de faire l'enveloppe, ici on le fait aux épaules. On avance tout droit, l'enveloppe se fait aux épaules, hein, pour la technique Sankyo. Donc, cette technique, elle peut venir sur des multiples formes, par exemple sur des formes arrière, puis chez l'audio théorie, hein, c'est la même chose. Ici, vous voyez, par exemple, ici, vous voyez le contrôle, voilà. Et donc, si je fais le mouvement Oura, je passe derrière, je descends ici, comme ceci, et je prends le contrôle, bien sûr, et je contrôle l'épaule. Alors, c'est un mouvement très pratique, imaginez quelqu'un, on peut, bien sûr, l'amener au sol, mais imaginez quelqu'un, une manifestation, ne veut pas se lever. On peut aussi faire lever quelqu'un à partir de ce mouvement. Et contrôle bien, parce que l'action est sur l'épaule. Alors, on peut le faire, il y a beaucoup de variantes. On peut aussi faire ici, comme ceci, vous avez un très bon contrôle. Pas de problème, hein, si ça fait mal, faut frapper. Voilà, donc, ici. Et vous avez donc un contrôle de la technique Sankyo. Troisième principe. Si je prends, par exemple, derrière mes épaules, pareil, je bloque aux épaules, vous voyez, il suffit de garder le poing ici, passer comme ceci, et naturellement, vous rattrapez toujours la même chose et vous exprimez la force de la hanche par son bras via l'oreille. Comme ceci. Alors on va le présenter sur première forme, par exemple. Ayami Katatedori, Sankyo, donc. Nikkyo, on a dit tout à l'heure, Sankyo, c'est une progression en fait. Si je fais Ikkyo, ici, j'essaie de bloquer le coude. Si je ne peux pas, j'essaie Nikkyo. Si cette direction n'est pas possible, j'essaie celle-là. Allez, on peut le faire sous forme de progression, parce qu'en japonais, ik, ni, san, chi, go, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ikkyo, c'est premier principe, nikkyo, deuxième principe. Sankyo, troisième principe. Hein? Alors, donc, par exemple, aussi, on peut le faire directement, le nikkyo tout à l'heure. Quand il prend ma main, je peux aussi couper directement. Ça veut dire, je refuse toute idée de combat, je ne veux pas aller plus loin, je coupe. Si je fais sankyo, j'ouvre ici comme ceci, voilà. Si je ne me sens pas sûr de moi, je contrôle le coude. Et quand j'ai le coude bien contrôlé ici, je lui fais cette poignée de main à l'envers. Et il ne faut pas grand chose. Au début, vous mettez les deux bras, les épaules, comme ça. Après, quand vous avez un peu d'entraînement, ça suffit tout à fait. Hein? Et on peut même projeter, si on voulait, quelqu'un comme ça. Alors, vous voyez, on peut faire Sankyo Nage, c'est-à-dire quand j'ai amené ça comme ceci. Si je passe comme ceci, vous voyez, ça fait un levier comme ceci. On peut projeter Sankyo Nage, c'est-à-dire une projection à partir de cette technique de base. Voilà pour Sankyo. Monte un peu les manches. Voilà, c'est bien. Donc, si vous voulez, pour faire Yonkyo, quelle que soit la forme d'attaque, on part toujours avec le sens Ikkyo. Mais vous arrivez à un moment comme ceci. Alors, vous avez ici le nerf cubital, là, et le nerf radial ici. Il faut prendre comme ceci, vous voyez, comme si vous preniez un sabre, pivoter et couper. À ce moment-là, le nerf cubital, le nerf radial, vous les amenez contre le plan osseux. Et donc, c'est assez douloureux, comme ceci. Il faut le faire plusieurs fois parce que ça soigne en même temps les intestins, les reins, le sexe, tout ça, c'est très bon pour la santé. Beaucoup de points d'acupuncture qui passent là. Donc, voyez-vous, ici, comme ceci. C'est comme mon sang.
Donc, c'est prise sur ce point. Alors ça, c'est le mouvement dit positif. Le mouvement dit négatif, c'est quand on a fait ceci, on n'est pas allé plus loin. Alors, je passe derrière, ici, je tourne. Voilà. Et on peut finir juste ici, comme ça. Alors, si je prends mes deux épaules pareil, quelle que soit la saisie, on peut, par exemple, voyez, passer comme ceci, là, et avoir le point ici. Il faut faire comme on trairait à la campagne une vache. Il faut serrer, toujours un peu, comme à l'époque où il n'y avait pas de trayeuse électrique. Comme avec le sabre, on piquerait comme ça en avant. Alors, il y a une autre façon de le faire, c'est quand il vient prendre mes deux poignets, par exemple, sur les points douloureux. Je prends et je le fais sur l'extérieur. C'est-à-dire, à ce moment-là, je le fais sur les points douloureux qui sont ici, vous voyez. Comme ceci. Donc, hop, et je coiffe. Ou alors, si c'est saisi ici, on peut le faire ici comme ça. Sur les points douloureux, à partir de cette attitude. Alors, ce sont des techniques comme les techniques de pincement qu'on a perdues un peu. Parce que ça a été utile quand on vous en sert, par exemple. Vous voyez, comme ça, ici. Des fois, on se bloque, on ne veut plus rien. Si on était tranquille, il suffit ça. Moitié, 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 très peu. Voilà. Moitié, 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 très, très peu. Ou sur une main qui vous en sert. Comme ceci, avec ceci, comme quelque chose qui coule tout le temps ici. Ou ici, si vous voulez, quand vous prenez comme on prend une jolie dame pour aller au bal, il suffit de ça. C'est pas beaucoup, hein, de maintenir une poussée comme ceci. Tout ça, ce sont les mêmes applications, ou quand il vous prend ici, on peut faire ça, évidemment, rester comme ça, hein, ou quand on est vieux comme on peut rentrer directement ici, faire ça, ou utiliser le même principe. Quand je saisis par exemple ici, voyez, vous avez ici la possibilité de faire des actions ici. Le tout, c'est de continuer toujours. Moitié, 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 moitié. Ça, on pense toujours. Donc, ce sont des choses qui, des fois, sont très intéressantes, hein, qui ne sont pas difficiles à faire pour avoir la présence d'esprit. Par exemple, les pincements, on n'y pense pas, mais quelqu'un qui vous tient, ça, c'est par exemple très fragile. Ou ça. Oui. Ou ça. Donc, ce sont des présences d'esprit. Les enfants, ils l'ont. Un enfant, des fois, tac, il attrape. Parce qu'ils sont formés à être comme ça. Donc, quelle que soit une tentative de prise de poignet, peut-être c'est ça. Hein, je ne sais pas, autrement. Je ferme ici. Je vais ici et je conclue avec ce mouvement. Qui est donc toujours un mouvement d'action sur les points douloureux du poignet. Cette technique s'appelle Yonkyo, on l'appelle aussi Yonkajo. Hein, tout ce qui est technique de pincement. Des fois aussi, on peut faire ça, par exemple, pousser sans rien donner, ça. Il y a un contact, j'ai un contact avec lui. Mais là, il pousse en avant. Je ne ferai rien. Vous voyez ? Donc, il suffit simplement de glisser juste. S'il a un dentier, évidemment, c'est embêtant, il saute. Voyez-vous, en aïkido, mettre la force là où il l'attend. Où est-ce qu'il attend la force ? Là. C'est là, donc, qu'il va pousser. Ici, il n'attend pas. Et de même, si là, ça, il va parer, je veux faire ça avec mes mains. Il part avec son bras. Vous voyez ? Là, il sait que je mets ma force là. Regardez bien. Et là, on ne passe pas. Mais là, souvent, on passe. C'est-à-dire, c'est comme avec un sabre, on montra tout à l'heure. C'est une éraflure, si on n'arrête pas le sabre, lui, il continue de courir. Il y a beaucoup de choses, collier de force aussi, c'est possible. Quand il se dit comme ceci, vous voyez, un collier de force, hein, vous connaissez ça, des fois. Bon, ben, faut pas lutter là, là, ça sert à rien, il suffit de passer ici. Peut-être. Hein? Ou si la main est devant, à ce moment-là, la main, je ne peux pas la passer derrière, parce qu'elle était, pardon, elle était déjà devant, je ne peux pas la passer derrière. Je pince à l'intérieur, ici. Très peu, moitié, 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 moitié. Ici, il y a beaucoup de viande et ça fait beaucoup mal. Donc, tout ça, ce sont des petits gestes. En aïkido, normalement, on doit être libre. Bien sûr, il faut apprendre des techniques sous forme de générique, mais normalement, ensuite, c'est la liberté, des choses toutes simples. Pour quelqu'un serre la main, ça, c'est suffit. Ça, c'est suffit pour contrôler quelqu'un, il n'y a pas besoin de plus. Sur cet espace, donc ceci, c'est suffisant. Vous voyez ? Donc, des fois, c'est pas beaucoup. Hein, de choses. Par exemple, s'il met son bras comme ça, voyez-vous,
et que je veuille pousser avec ça. Un doigt, ça c'est mathématique, c'est impossible. Hein, je me casserai mon doigt. Alors je pose mon doigt comme ça. Je considère que ce qui pousse, c'est mon poing, et que je m'envisage sortir au-delà du doigt. Hein, ça veut dire que ce n'est plus mon doigt qui pousse. Ça s'exprime par mon doigt. Alors le cinquième principe, c'est le... par mon doigt. L'essentiel. Si on laisse rentrer en soi un petit peu d'émotion, eh bien c'est comme ça quand vous voyez les faits divers, c'est comme ça. Les bras cassés, tailladés, etc. Donc ce qu'il faut, c'est l'obliger au contraire. On n'y est plus. Rentrer dans le même temps. La personne ne veut pas. On peut rentrer et faire ici, go, kyo, même chose, comme ceci. Si on n'arrive pas à plier, alors on passe ici, en faisant bien attention, et on peut passer comme ceci, là, pour pouvoir terminer tranquillement. Déjeuner en paix, comme on dit. Donc, c'est bien, mouvement. Si ce sont sur des menaces, ça peut arriver. Avec un couteau ou un revolver, ça ne change rien, parce que l'essentiel, c'est... que la balle passe là, c'est une balle. Si c'est ici, l'essentiel c'est la même chose, c'est... ça veut dire déjà la balle ne passe pas. Non, il ne faut pas faire un retrait. Souvent les gens ont peur, mais c'est un retrait là. Ça serait plutôt le contraire, ça serait plutôt, vous voyez, ici, comme ça serait plutôt rentrer, comme ça, et garder la relation ici. Alors, mille choses sont possibles, on peut faire des techniques ici, rentrer comme ici, vers lui, dégager comme on voit. Ça, après, ce n'est plus qu'une question technique. Le plus important face à une arme, c'est l'attitude mentale que vous avez par rapport à cette arme. Donc, si c'est Shomen Tsuki qui arrive comme ça, jamais n'allez vous considérer que c'est ça qui est important et de vouloir l'arrêter. Comme ça. Ça veut dire toujours le plus important, c'est ça qui compte le plus. Donc, c'est ça. Si c'est un coup sur le côté, n'allez pas chercher le coup. Vous faire couper. Qu'est-ce qui commande le coup? C'est cette ligne. Donc, je vais attaquer ses yeux. Et je rentre ici. À partir de ce moment, le mouvement est faisable. Toujours la même idée. Gokyo, c'est ça. Contact ici. Un petit coup sur le fausse-côte. Voilà, et mouvement. Ikkyo. C'est ça. C'est quand il est là. Vous voyez, ici, c'est ici. Voilà, et on ferme comme ça. Ça veut dire que le mouvement, il s'exprime comme ça, de haut en bas, vous voyez, comme ça. Comme on descendrait un fil à plomb, comme ça. Nikyo, si c'est le mouvement omote ou omote, c'est comme ça. On l'envoie ici. Si c'est un mouvement négatif, on enroule comme ceci, vous voyez, et on revient face au coup qui pourrait nous donner. Faire le mouvement qu'on termine en bas. Si c'est sans kyo, comme ceci, et monter comme ça. Et donc le mouvement redescend ici. Si c'est yon kyo, on va utiliser le point douloureux du poignet ici. Comme si on piquait. Si c'est go kyo, cinquième principe, on va changer la position de la main. Pourquoi? Parce que si un couteau, vous allez le voir, ici, il peut me couper ici le bras. Vous voyez ici en haut, il n'a qu'à descendre comme ça, et il me coupe le bras. Donc il faut absolument que je puisse ici éviter ça, parce que la main est dans le prolongement du couteau dessous. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à prolonger ici, jusqu'au moment où on a vu qu'on faisait ce mouvement comme ça pour saisir le couteau. Voilà les cinq principes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle principe? C'est plutôt des blocages, des mouvements, des blocages d'articulation. Et les bases, c'est plutôt des projections. Alors les bases, je...
tu le remontes rapidement. Hein. Si on aguiche, c'est la technique où on projette ici quelqu'un comme ça, on rentre comme avec un sabre. On coupe. Donc c'est la technique Shionage. La technique Otega ici, c'est en japonais, ça veut dire poignet retourné. Ben, c'est simple ici. Je retourne ce poignet, voilà, comme ça, et je ferme. La technique Iriminage, c'est par exemple ici, je rentre comme ceci, parce que si je pousse comme ça, lui il pousse, c'est de la lutte. Ben, il faut changer son regard vers le haut. Comme il regarde en haut, il ne contrôle plus la situation. C'est comme ça, c'est comme la chanson de traînée, le soleil, la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune, quand elle est là, l'autre n'y est pas. Eh? Donc ça fait ceci, ça fait ceci. À ce moment-là, on peut projeter facilement. Ensuite, il y a la technique Kokyunage. Kokyunage, ça y en est. Il saisit, vous voyez, je conduis sa force. Comme ça. Ou c'est direct, ici. C'est-à-dire que si c'est pris à deux mains, vous voyez, on le voit bien, ça sert bien à deux mains, je ne peux plus bouger, donc je suis obligé de passer par là. Mais ici, j'amène comme ça. Voilà. Tant qu'il pense à forcer ici, et tant qu'il est là, il ne peut pas être ici. Donc, il est là, mais quand il revient là, il reprend conscience, il ne peut pas être ici. Non, c'est un mouvement de coordination. Ensuite, eh bien, dans les copunagues, on peut en faire quand il y a aussi peut-être. On peut faire des projections comme ça. Hein, on peut faire beaucoup de choses. Alors, comme on a vu. Ensuite, nous avions l'ikimenage, c'était une variante. Ici, vous voyez, sur l'action supination-pronation, comme on a vu, donc, voilà. Alors, si je force ici, c'est pas difficile d'empêcher de soulever. Alors je ne vais pas forcer, je vais rester un ici. Voilà. Donc s'il doit soulever quelque chose, il faudrait que tout se lève. C'est difficile. S'il prend sous mes bras, je me contacte, il peut me soulever, bien sûr. Pas. Sous mes bras, je me contracte, il peut me soulever, bien sûr, parce que c'est costaud. Mais il faut que je pense ici, et je ne contracte rien. C'est beaucoup plus difficile. Ce n'est pas l'idée de penser, je ne vais pas me soulever, si je pense ça, je ne suis pas libre. Simplement, penser, ma conscience est là. Hein, ça peut être la même chose, ici, on n'est pas fort, quand quelqu'un est debout, qui vous pousse sur le côté, comme ça, si on se lutte, si on lutte, c'est un peu difficile. Là, il ne faut pas lutter. C'est-à-dire, on s'assoit, et on peut mettre des gens derrière lui, si vous voulez, hein. Vous pouvez aller l'aider, si vous voulez. Quelqu'un, vous voulez l'aider un peu, monsieur Vigeot? Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire au maximum? Simplement me faire éventuellement glisser. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais je ne lutte pas. Voilà, quand il ne veut plus, il peut s'arrêter quand il veut. Je ne perds pas l'équilibre, ce n'est pas de lutter. Par exemple, quand je suis ici, je mets ma main comme ça, je suis un enfant têtu. Si je me comprends, ce n'est pas dur. Alors, je vais considérer que ma main et ma tête, c'est une entité qui est rattachée par le corps. À ce moment-là, je ne contracte rien. Allez, décollez ma main. C'est bien intéressant, hein. C'est pas fatigant. Vous comprenez? Donc, c'est une question de principe de coordination. C'est quelque chose de simple. Si je prends un bâton, comme ça, si je veux m'opposer à sa poussée de deux mains, qui va attaquer ma tête, avec ma main, en levier, c'est impossible. Pour essayer, c'est impossible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre aucune force. Je vais simplement envoyer mon esprit par le bout du bâton. Frappez-moi. Hein, c'est pas difficile. Ouais, même chose ici, si je prends mon bras de main, je prends bien dans le bras, ici, et je me contracte. Et ici, au bout d'un moment, c'est très dangereux parce que ça peut casser, parce qu'il y a quand même deux bras. J'en ai passé, on en met un autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne fais rien, simplement je considère. Que je vous pose une question. Si je vois dans une glace là-bas, le bras dans cette forme, est-ce qu'il pourra le plier tant que je le verrai de cette manière? Question. Vous êtes obligé de répondre non. Eh bien, si mon mental joue le jeu d'une glace, si je vois mon bras simplement impliable, pliez-le. D'ailleurs, regardez. Il faut le faire travailler un peu parce que mental, c'est très reposant. Je vois simplement mon bras comme ça. Alors, c'est très difficile. On acquiert une force incroyable.
Parce qu'on ne force pas, justement. On n'utilise pas de force. On n'utilise pas de contraction. On utilise ce que j'appellerais la relaxation. C'est-à-dire un état intermédiaire entre la décontraction, comme ça, morte, et la contraction cadavérique. Je pose ma main, je passe simplement ma main est coordonnée. À partir de ce moment, on ne peut pas me l'envoyer, mais ça ne se voit pas. S'il n'y avait rien, on me l'enverrait. Mais ça ne se voit pas. Et c'est avec ce travail que l'aïkido fait. Par exemple, quelle que soit la forme de saisie, vous voyez, quelqu'un qui ne connaît pas l'aïkido, il ne comprend pas qu'ici, la personne ne lâche pas quand on fait ça. Parce que, ou quand je fais ça. Ou quand je viens ici. Je ne comprends pas. Mais c'est évident, si vous comprenez la relation de force, on ne peut pas faire autrement. Parce que moi, je ne peux pas décider volontairement d'aller par là, il pourrait me frapper. Lui, il ne peut pas décider de lâcher. S'il lâche, c'est automatique, il y a une relation de force. Donc, il n'y a qu'une seule ligne qui est possible, c'est la résultante. Et s'il veut tenir, il est obligé de souplir. Et là, par exemple, je pouvais l'atteindre. S'il tient, avec le ventre et pas avec le bras, hein, on conduira au plus dans un circuit de neutralité. Pardon, excuse-moi. On conduira vers un circuit de neutralisation parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas rester face à quelqu'un de vous. Si vous restez face à quelqu'un de vous, sans bouger, si vous ne voulez pas bouger, tenir là et nulle part ailleurs, regardez ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tenir, ce n'est pas possible. Donc, tout le travail d'aïkido est de conduire quelqu'un vers un circuit de neutralisation parce qu'on sait qu'il tient. Alors, on sait que pour éviter qu'on lui arrache ça, par exemple, eh bien, il faut qu'il s'en aille. Et tout est basé sur ça, ici, ici. S'il n'attrape pas, paf, c'est un méta. Ici aussi, il y a un contrôle. Comprenez? Donc tout ça, même ça suffirait pour contrôler quelqu'un. Même à la limite, ça, les gens disent, qu'est-ce que c'est le coup? C'est ça, si vous bougez. C'est pas obligé. C'est ça. Comprenez? Il y a une relation, même là. Il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, il y a le cas où il m'a frappé au ventre. Donc je suis passé là et j'applique la même technique de base que vous venez de voir, qui s'appelle Udekimenage. À ce moment-là, j'ai fait exactement comme si c'était un mouvement de main. Ou alors il pique ici, toujours pareil, j'ai ouvert ici, je rentre ici, vous voyez, comme la technique Shionage, et je projette de la même manière que la technique Shionage. Voilà, il a frappé sur ma tête, comme ça. Non, je suis passé ici et j'applique la technique Futegaishi en renvoyant le bâton sur lui. Et je dégage ici comme ceci le mouvement. Donc vous voyez, déjà toutes les techniques de base sont applicables au bâton. Alors il se peut se trouver que c'est moi maintenant qui ai le bâton. J'essaye toujours de m'amuser. Pour qu'il saisisse. Mon idée, c'est d'arriver à le faire saisir. Bon. Ah, s'il a saisi, voilà, voilà peut-être une technique que je vais faire ici. Vous voyez, qui sera une application de Sankyo. Et il a saisi, donc, voilà. Voici une application. Ou, il a saisi comme ça. Voilà, je vais l'amener ici. Et je vais faire une application de posture. Ou, je le lui redonne et on retravaille. À ce moment-là, il pique peut-être. Et on contrôle ici jusqu'à ce que, évidemment, je puisse dégager cet arbre. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec l'un qui a un bâton et l'autre qui ne l'a pas. Par exemple, j'essaie donc de provoquer une réaction chez lui. Mais du même coup, je lui donne une possibilité d'attaque. Donc, à moi d'être suffisamment lucide pour utiliser cette possibilité d'attaque que je lui donne. Hein, et pas attendre. Donc, je me place ici et je pourrais l'atteindre ici. Mais si c'est fait, vous voyez, dans le monde de travail, si je m'arrête là, ben, c'est fini, terminé. Bon. Or, comme souvent, on essaie de travailler des séries plus longues, on prend une distance pour ne pas être atteint. Donc, déjà, je fais ici. Qu'est-ce que ça peut lui donner envie? Peut-être de pousser et d'ouvrir, donc il ouvre. Et donc ça peut lui donner envie de faire ceci. Vous voyez? Alors, j'essaie d'expliquer le mode de travail, d'apprentissage, à partir des arbres. Donc, on cherche à reproduire la sincérité d'un mouvement. Vous voyez, par exemple, en aïkido, si on travaille, je ne sais pas, tsuki, c'est-à-dire un coup de ici, il faut que ce soit vrai. C'est pas?
On sait, on travaille, on sait que c'est cette forme d'attaque, c'est un coup au ventre, mais il faut que lui soit vrai. Okay. Sinon, si on travaille faux, on ne fait plus qu'une répétition calisthénique de gestes qui n'a pas d'intérêt. Alors, il faut s'efforcer pour être concentré, c'est un langage, c'est une façon de communiquer avec les armes. Et ce qui est important, c'est qu'on apprend sur des formes, on appelle des katas, n'est-ce pas ? Et ces formes, c'est comme, je ne sais pas moi, on peut prendre l'image d'un comédien qui récite un texte qui n'est pas de lui. Ben, c'est faux, vous allez par là, ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense. Mais au moment où il le dit, il faut que ça devienne quelque part vrai. Donc nous c'est pareil, on connaît cette forme d'attaque, on sait, il va m'attaquer au ventre. Mais ça ne résout pas le problème pour autant, parce que je ne connais pas la vitesse, ni la direction, ni comment il va faire, et il faut que je m'adapte au présent à cette véritable attaque. En travaillant comme ça, on peut faire un travail qui n'est pas très dangereux, et qui peut quand même permettre de commencer à travailler l'étude des armes. Hein, voilà, j'arrive à cette situation, par exemple. À cette situation, on peut utiliser beaucoup de situations. S'il pèse lourd vers le bas, par exemple, je peux laisser passer, piquer. Ça, c'est une possibilité. Hein. Ou je peux carrément ici utiliser cette réaction, n'est-ce pas, pour passer dessus, comme ça. Et du même coup, quand il voit le vide, eh bien, il va venir le protéger. À ce moment-là, ben, on peut me renvoyer peut-être comme ceci, et à nouveau, il y a une ouverture pour frapper ici. Vous voyez ? Donc à ce moment-là, il se peut très bien que je sois ici, que moi je reprenne l'initiative, comme lui. Alors on arrive ici. Et j'attends qu'il reprenne son initiative pour venir, en réduisant le temps, frapper sa tête. Alors si je me trouve, si vous voulez, derrière lui, ça peut arriver, comme ceci, par exemple, il a le bâton ici, vous voyez. Eh bien, quand il va m'attaquer, n'est-ce pas, eh bien, je vais faire une esquive en avançant dans le même sens. Vas-y. Et donc, je peux l'atteindre ici, par exemple. Alors, ça peut être une série qu'on va étudier, on va décider. On étudie cette série, voilà. Et là, il attaque. Et on vient contrôler cette attaque ici. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être, par exemple, je suis comme ceci. Cette attitude, quand il vient frapper, je viens protéger comme ceci, vous voyez, et je vais aller attaquer derrière sa tête ici, comme ceci, qui fait qu'il va faire le même geste en reculant pour protéger sa tête. Donc, il peut me rattaquer ici au côté. Il descend devant toi, il me rattaque. Et donc, sur cette arme, quand il est là-bas, moi, je peux très bien faire un pas ici et conclure comme ceci. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une multiplicité de mouvements possibles. Hein, par exemple, quand il vient ici piquer mon regard, si j'ouvre, il peut piquer mon genou. Vous voyez, il y a une possibilité que je lui ai donnée. Donc, je peux me servir de cette possibilité que je lui ai donnée pour le feinter, là. Comme je le menace, il s'en va, mais du même coup, il voit une ouverture. Donc, je peux fermer ici. Quand il va venir défendre, comme tout à l'heure ici, vous voyez, il revient. Si je veux conclure, c'est... il faut qu'il vienne défendre, évidemment. S'il ne vient pas, on ne peut pas travailler. Donc, je peux, à ce moment-là, en variant sur le rythme de l'attaque, conclure comme ceci. Là, non, là, non, là, hein. Alors, on peut le conclure comme ceci. Et d'abord, l'apprentissage, c'est d'étudier toutes ces séries, doucement, pour pouvoir ensuite les pratiquer un petit peu plus rapidement. Et, par exemple, je suis en position comme ceci, comme ça, il est en position comme ceci. Bon, ben, par exemple, il lève pour me frapper sur la tête, il peut, vous voyez, il y a une idée qui peut lui venir comme ça. Ben, je peux utiliser cette idée. Je passe ici, j'arrête ici. Vous voyez, on peut frapper et pas frapper, c'est contrôler simplement. À ce moment-là, j'utilise ça. Je le projette ici. Ou alors, on a mis l'autre possibilité. Si vous voulez, quand on part tous les deux sur cette attitude, quand il vient attaquer, et ici je donne une possibilité, je viens ici. Ici je vais peser lourdement sur son bâton pour qu'il parte derrière sa tête. Moi aussi il vient ici. Et quand il vient, je viens le rencontrer comme ceci. Okay. Donc j'ai un contact ici. Je déplace le point d'appui, je pèse fort pour le faire sa part de la même, pour lui faire faire ça. Et donc à ce moment, sur le même temps, je viens le cueillir ici, et j'ai un contrôle ici et ici. Voilà, la projection se fait comme ceci.
Comme avantage, j'ai la longueur. Mais lui, comme avantage, il a la lame. Ce qui fait que si je fais des choses comme ça, il me coupe la lame. Voilà. Vous comprenez ? Donc, je ne peux pas rentrer de cette manière. Il faut absolument que je l'attaque sur le côté. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je monte sur le rail pour ne pas, naturellement, faire couper mon bâton. Et je ne prends pas de risque puisque j'ai de la distance. Hein ? Alors, je vais essayer ceci avec deux pas. Je viens le contrôler ici. Jusque-là, il ne peut pas bouger. Je laisse passer. Je contrôle ici. Donc, il y a le genou maintenant qui m'est libre. Il efface mon genou. Évidemment, je ne peux pas l'atteindre, mais je suis ici. Et je peux rentrer et conclure le mouvement comme ça. Quand il passe, et ici je contrôle comme ceci. Et quand il lève, je vais utiliser la longe. Ici, je laisse passer. Je passe ici comme ceci. Pour rentrer, attaquer sa tempe. Ou quand il lève, je le suis avec ce côté. Quand il frappe, je passe ici. Pour frapper sur ce côté. Encore une possibilité. Ou je le suis avec ce côté. Quand il frappe, je passe ici. Pour frapper sur ce côté. Encore une possibilité. Ou je passe ici pour le frapper comme ceci. Les katanas dans sabre d'aïto, sabre court, comme je viens de vous montrer, étaient bien sûr dangereuses pour l'entraînement parce que ça, on ne peut pas avoir la moindre erreur. Donc on faisait des entraînements au bouquin, sabre de bois. C'est quand même très dangereux aussi, sabre de bois, mais quand même, on peut travailler mieux. Mais un coup de bouquin peut aussi tuer aussi bien qu'un sabre. Seulement, ça ne coupe pas, vous voyez, là, je tiens en pleine main, donc on peut s'entraîner plus facilement. Alors la première découpe qu'il faut comprendre, la chose la plus importante, c'est d'être harmonisé pour travailler à deux. N'oubliez pas que en aïkido, il n'y a jamais de compétition. C'est une question d'harmonie. Donc, je ne dois pas me battre avec lui. Je dois devenir lui, finalement. Et essayer d'être présent, au même endroit, à la même heure que lui. Donc, le premier des travaux, c'est de s'harmoniser ensemble, comme ceci. Ce sont des exercices ici qui permettent de s'unifier. Ce qui est important, c'est que ce soit la même force de vie, voyez, qui imprime le même mouvement à nos sabres. Cette force de vie, quand on inspire comme ça, qu'on trace un cercle, c'est qu'on pique au centre, dans l'idée du fondateur, c'était de réunir le ciel et la terre, et que l'homme était le triangle médian entre ciel et terre. Donc, ça permettait une unification. On respire par la pointe du bouquin, par la pointe du nez, et on descend jusqu'au ventre. Donc ici, il y a une unification. Et quoi qu'on fasse, on est en parfaite unité. Alors à partir du moment où on a réalisé ensemble cette unité, on peut travailler. Maintenant, je vais vous expliquer le concept Anmi, qui est le secret de l'aïkido. Le fondateur de notre art a dépensé l'héritage de son grand-père pour apprendre cette technique de l'école d'Aitoryu de Takeda. Ça consiste à pouvoir couper quelqu'un sans être coupé soi-même. Si je reste face à lui, voyez-vous, comme ceci, tous les deux, eh bien tous les deux, il me coupe l'épaule. Donc le fait de faire un mi, c'est ça exactement, sur la ligne, ce qui fait que le sabre passe à côté. Mais il faut le faire en acceptant d'être la moitié et l'autre moitié pour faire une unité. Lui et moi, c'est deux aspects de la même chose. Si je veux esquiver, c'est-à-dire considérer que c'est un adversaire et moi je suis contre lui, je pourrais esquiver le premier, certainement, mais pas le deuxième. Donc il faut que j'accepte le risque qu'il n'y ait pas d'autres possibilités. C'est au même endroit, à la même heure et on vient ensemble. Je peux aussi passer sur un demi à gauche, du côté gauche. Si je passe du côté gauche, ça va être la même chose. À ce moment-là, je viens couper ici du côté gauche. Ça, c'est le premier mouvement qu'on appelle le premier souboulis quand on est tout seul, et la première harmonisation quand on est là. Ça consiste à élever son sabre, à couper, se placer de façon triangulaire et pousser vers le bas. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont coupé
les têtes nous disent que lorsqu'on a coupé une tête comme ceci, on ne peut pas remonter un sabre comme ça. Si on vous apprend à couper comme ça, c'est faux. Donc, on est obligé de faire ça, de ramener vers soi. Et tout de suite, si on attend, il faut mettre le pied pour arracher le sabre, c'est très difficile. De même, on nous enseignait qu'on ne devait jamais rengainer un sabre sans avoir fait tchibouli, c'est-à-dire ceci. Vous voyez, comme le sang passe comme ça et hop, s'expanse par le bout. Il y avait un rail exprès qui faisait ça. Si vous ne faites pas ça, vous en mettez plein le visage. Si vous ne faites pas ça, vous en mettez plein le visage. Mais normalement, c'était ce geste. Ensuite, on rengainait naturellement en essuyant ici. C'est ça. Et une fois que vous aviez ramené le fourreau et rengainé, à ce moment-là, vous pouviez redégainer. Si vous n'essuyez pas le sang, ça colle. Et le jour où vous avez besoin de tirer votre sabre, vous ne pouvez plus dégainer. Les anciens sabres de la grande époque étaient portés dans le dos, comme ceci, étaient très lourds parce qu'il fallait pouvoir couper une armure et couper la tête de quelqu'un qui était dessous. Donc ceci était la première harmonisation. Deuxième raison, quand on est comme ça tous les deux face à face, jamais je dois m'appuyer sur la jambe avant. Parce qu'imaginez qu'il m'a suivi. C'est-à-dire que quand moi je lève pour l'attaquer, ben là, il me suit. Si jamais j'ai posé mon poids en avant, je suis empalé sur la pointe de son sabre. Dans le cas où il me suit, eh bien à ce moment-là, je dois ouvrir comme lui. Et à ce moment-là, je fais à demi, par exemple, à gauche. Quand il pousse ce sabre, si j'ouvre comme ceci et que je menace ici, évidemment, je le contrôle ici. Et pour ça, je ne dois jamais m'appuyer sur le pied qui est ici. À la limite, on pourrait couper, ça y est, avec ce pied tout à fait libre pour qu'en cas de danger, on puisse faire ce geste. Et ça nous amène à cette attitude qu'on étudie, qui nous permet d'ouvrir. Alors on va vous montrer quelques formes, par exemple, si dans cette attitude, il vient me couper par en dessous. Par exemple, il a vu cette ouverture et il vient me couper par en dessous. Vous voyez ? D'une façon générale, toujours aucun, je dois contrôler cette ligne ici et jamais m'occuper de l'arme. C'est toujours la ligne du haut, au milieu du front, au milieu du ventre. Alors dans cette première série, comme ceci, n'est-ce pas ? Eh bien je fais ceci. Vous voyez, pas plutôt, bien entendu, je fais ça. Et je ferme l'arme, très fort. Ce qui fait qu'il ne peut plus avancer parce que c'est fermé. Comme il ne peut plus avancer, mais qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste d'esquiver et de vouloir venir couper ici. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je ne descends pas mon sabre plus bas. Si je descends mon sabre plus bas, il peut couper directement ou même en passant derrière la tête, venir couper ici. Donc le sabre, il est toujours contrôlé ici et au milieu. Milieu. On coupe comme ça. Bon, à partir du ventre, pas avec les épaules. Donc, cet mouvement se développe comme ceci. Quand il veut passer ici, je le suis, comme ceci, et je me trouve dans cette attitude. À partir de ce moment, il a envie de doubler, puisqu'il ne peut pas avancer. Donc, son intention, c'est de finir ici. Voyez-vous ? Et c'est à ce moment-là que je vais appliquer le principe ennemi pour le couper dans l'action sans qu'il s'en aperçoive. En première action, il est comme ceci. Pourquoi ça marche? Parce que si on se met comme ceci, vous allez voir que la ligne n'est pas... Quand il vient couper, il fait un cercle ici légèrement. Si moi je contrôle cette ligne ici droite, à un moment on se rencontre comme ça. Donc si je coupe tout droit, comme ceci, je vais fatalement ouvrir. Cet exercice consiste à étudier un kata, c'est-à-dire une forme de style complète sur les quatre personnes. Je vais égarer l'esprit de celui-ci pour que ça se développe avec cette intention, c'est-à-dire lui laisser croire que je m'occupe de lui pour qu'il ait envie d'attaquer. Donc ça sera la première action. La première action, elle est là, mais je rentre ici. Sur cette première action, je suis suivi par l'autre. Je tourne comme ceci et je le rencontre avec cet angle. Qui me permet de prendre la distance avec l'autre. Je me évite son attaque. Sitôt qu'elle est passée, il s'en va, ce qui me permet de le suivre jusqu'à la tempe. Et ici, celui-ci, je le rencontre dessous, comme ceci, vous voyez, pour le piquer ici. À partir de ce moment, je cherche le danger.
Ne voyant pas de danger immédiat, je vais essayer de sortir, évidemment, de la ligne. Hey, stop, 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 hey, stop